pas, monseigneur. Laissez-moi débarquer d'abord. L'accident est vite arrivé. Je vais pas faire de l'eau. Oui. J'en ai vu dans ma vie. Oui, si vous voulez, mais l'eau est froide. Elle vous couperait les jambes. Ah oui. Et parlez pas tant. Agissez. Ma rivière rouge, un de souvenirs. La rouge, la seconde vie. Nous allons marcher longtemps. Le temps qu'il faudra. Ah, la forêt. Ouais. Le sol est rocailleux, impropre à la culture. Mais il y a là-dedans du beau bois de service. Nos richesses forestières sont inépuisables. C'est ce que j'ai toujours dit. Allez vite, bouquet. Je suis votre fidèle serviteur. Suivez-moi de près. Allez pas vous écarter. Non. Une fois, ça suffit. Ça me le disait. Quoi donc, monseigneur? Regardez-moi ça. Je parierais qu'il y a une mine de fer ici. Ah, c'est bien possible. Mettez ça dans votre poche. Si j'ai confiance dans la culture de la terre pour coloniser ce beau pays, j'ai encore plus confiance dans les mines. Hé, du bouquet, le canot s'en va! Au nom d'une pipe, le canot! Au nom d'une pipe, le goût d'une pipe! Nom d'une pipe, c'est tout ce que vous trouvez à dire! Quel malheur! Que je suis donc distrait! Le canot qu'Alexis nous a prêté, le canot de Bilbao, on l'air fin! Une belle chance! Ça va avec le canot? Eh bien, on se passera de manger, c'est tout. Arrivez! Nous continuons? Un beau dommage, espèce de sans-allure que vous êtes. Quoi? Mais sans-allure? Oui, un vrai tétan. Vous ne vous dompterez jamais. Vite, nous reviendrons à pied. 5 000 à marcher. Je suis toujours votre fidèle serviteur. Je suis toujours votre fidèle serviteur. Fouette!